Bonjour à nouveau. Le cours de français pour la sixième année primaire. Aujourd'hui, c'est une leçon de lexique, les synonymes. Regardez les deux phrases. Première phrase, est-il permis aux passants de franchir la chaussée quand le feu est vert pour les voitures? Non, bien sûr. Deuxième phrase. Oui, et il est autorisé aux piétons de traverser la chaussée quand le feu est rouge pour les automobiles. Bien sûr. Regardez les mots en couleur. On va les classer dans deux listes. Première liste. Permis, passant, franchir. Les voitures. La deuxième liste, autoriser, piétons, traverser, les automobiles. Est-ce qu'il y a une relation entre les mots en couleur, de la même couleur? Est-ce qu'ils ont le même sens? Ou bien un sens différent? Hein? Oui, ils ont le même sens. On les appelle donc les synonymes. Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens à bien retenir. Bien, je manipule maintenant. Je souligne dans les phrases suivantes les mots qui ont le même sens. Trois phrases. La première. Attendez que la voie soit libre, traversez la route en regardant à droite et à gauche. La deuxième phrase, ces passants sont imprudents. Ils devraient emprunter le passage pour piétons. 3. Il faut être vigilant pendant les heures de pointe. Beaucoup de cyclistes ne sont pas attentifs. Donc, dans chaque phrase, il y a des mots qui ont le même sens, des synonymes. Allez, on va les trouver ensemble. Et donc, attendez que la voie, il est traversé la route. Donc, regardez, la voie et la route. Bien, dans la deuxième phrase, ces passants sont imprudents, ils devraient emprunter le passage pour piétons. Oui. Passant, piétons. C'est bon. La troisième, vigilant. Il faut être vigilant. Allez, on cherche le synonyme de vigilant. Beaucoup de cyclistes ne sont pas attentifs. Bien. C'est bien. Donc, je retiens. Les synonymes sont des mots ou des expressions qui ont exactement le même sens, un sens extrêmement proche. Par exemple, les synonymes de maison peuvent être un logement, une demeure. Il faut comprendre le sens de la phrase pour choisir lequel va le mieux dans le contexte. Exemple, voiture, automobile, véhicule, permettre, autoriser, car, parce que, etc. Il y a beaucoup d'exemples. Je m'évalue, petit exercice à la fin, comme d'habitude. Donc, je réécris les phrases en remplaçant chaque mot en gras par le synonyme qui lui correspond. Donc, on a trois phrases. Il roule doucement. Ce conducteur est vigilant. L'agent de police règle la circulation des voitures. Donc, on peut arrêter la vidéo pour faire l'exercice. On cherche les synonymes de doucement, vigilant et circulation. Oui, il roule lentement. 2. Ce conducteur est attentif. 3. L'agent de police règle
1. Le déplacement des voitures. C'est bien, merci. À la prochaine.